Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite présentation de Bulletstorm qui était un petit jeu gratuit le mois dernier. C'est vrai que moi j'ai particulièrement apprécié ce petit jeu. C'est vrai qu'il m'a beaucoup fait penser à Gears of War qui était sur Xbox. Je pense que quand même pas mal d'entre vous devraient connaître ce jeu-là. S'en approche quand même bon, relativement pas mal. Donc pour ça, je me suis dit, tiens, autant vous le faire présenter si ça se trouve. Vous allez retrouver de bons petits souvenirs. Voire même bah, peut-être apprécier et j'espère peut-être en faire découvrir à certains d'entre vous. Du calme les gars! Du calme! Vous le comprenez pas! Les gars, écoutez-moi! Tiens, bois encore un coup, Gray. Tu viseras mieux. Pitié, pitié, pitié! Hé, hey, prends mon flingue. Mais vise pas en plein milieu de la cible. Hein. À toi de jouer maintenant. Écoute, plus vite tu répondras à nos questions. Et moins t'auras de chance qu'on rate notre coup et qu'on t'explose la tête. C'est pigé. Okay. Arrêtez, s'il vous plaît! Je vais tout vous expliquer, ok? Dites-moi! Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je vais tout vous dire! Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est combien la prime sur nos têtes? Un demi-milliard pour chacun. Elle a été doublée après l'attaque du cargo de la Confédération. C'est Sarano lui-même qui l'a fixée. Un demi-milliard? Pas mal. Parle pour toi. Moi, je vaux le double. Bien. J'apprécie franchement ton honnêteté. Hé! 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 Putain de merde! Je vous ai tout raconté! Ouais, mais t'as aussi voulu nous buter. Être honnête ne te rend pas innocent. Pas mal! Je vous jure! Je vous jure! Affaire. Hey, c'est le troisième de la semaine. Ah, Sarano a des envies de meurtre, on dirait. Allons attaquer des vaisseaux confédérés pour justifier la prime. C'est vrai par contre que le début du jeu, les cinématiques sont assez longues, c'est un peu long à démarrer. Bon, après je vais faire des petites des avances rapides, comme ça vous permet de voir vraiment si le jeu vous correspond, si vous pouvez apprécier ou non. Oh belle. Oh merveilleux. Ah l'enfoiré. Ah non. Je croyais que tu l'avais fouillé. On confie pas des tâches importantes à un mec bourré. Votre attention tout le monde, Capitaine sur le pont. J'étais en train de suivre la piste des cargos confédérés. J'ai même pas eu le temps de réagir, qu'il était déjà là. L'Ulysse. Je vais nous sortir de là.
Je vais essayer avec de la matière noire. Attention, on se prépare. On va nulle part, Ichi. Ah, c'est le bijou armé de la Confédération. Le général Sarano est à bord. C'est Noël avant l'heure. Ce gros tas de merde a fait couler beaucoup, beaucoup de sang. On va lui faire payer l'addition. On est avec toi, Grey. Sarano nous a laissés pour mort. Mais je suis bien vivant. Non, t'es bourré. Encore. On n'arrivera même pas à survivre une minute. T'as pété un boulon, Ichi. J'ai fait le serment de te servir malgré ton inconscience. Mais ça, je vais pas mourir pour que tu te venges, Grey. Pour qu'on se venge. L'Ulysse tente d'entrer en communication avec nous. Armez les canons, ils vont piger le message. Si quelqu'un veut protester, c'est le moment. Personne ? Alors feu ! Allez, Raël. Sarano va regretter de pas avoir triplé la prime. Sarano veut faire exploser ce terminal. On se dépêche. Il nous reste du temps. Pas de soucis, chef. On est dans les temps. Hé hey. Putain, Ichi, je t'ai demandé de faire exploser ce truc, pas de relever tes mails. Qu'est-ce que tu fous, bordel?
On regarde quoi, là? Toutes les missions qu'on a faites. On aurait massacré des gens innocents. Novak, c'était un reporter. Il écrivait un article sur Sarano et la corruption. Contacte Sarano tout de suite. Général Sarano, j'ai une... Dérangez pourquoi, bande de cons? Vous êtes sur le lieu de la mission, espèce de sale petit... Fermez votre gueule et répondez-moi. Tous ces gens, vous nous faites tuer des civils innocents? Et pourquoi vous croyez que vous êtes payés depuis tout ce temps, mes chers petits enfants de cœur de mes deux? Vous êtes des criminels, bordel! Des putains d'assassins aux ordres de la Confédération! Vous disiez qu'on tuait des trafiquants d'armes, des marchands d'esclaves, des meurtriers. Hein? Je mentais. Et alors? On vient de tuer qui, là? Novak. Détenez des preuves de votre culpabilité, bande de cons. Vous l'avez tué pour couvrir vos arrières. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous servez fièrement un général de votre Confédération adorée, pour laquelle vous seriez prêt à donner vos misérables vies de petits soldats de merde. Tout ça pour la préserver, faire plaisir à votre commandant et assurer la souveraineté du gouvernement. Alors, soit vous rampez devant moi et vous vous excusez platement, soit je fais de votre vie un enfer. Je vais te tuer! Mais merde, mec, tu fais chier! T'as pris une décision tout seul, alors que ça nous concernait tous. Ok, on retourne au spectre. On saute dans les systèmes parallèles, hors de la juridiction de la Confédération. Je suis pas sûr qu'on puisse quitter cette planète, Grayson. Ah, bon sang. Hey, t'en fais pas. On va pas te faire de mal. Tout va bien se passer. Ici! Cours, petite! Jusqu'à l'ascenseur et descends! Va voir les flics! We'll be right back.
fait partie des nouvelles troupes de Sarano. Qui, ce clown? Final Echo, l'élite. L'élite de mes deux, ouais. C'était pas qu'une rumeur. Final Echo utilise un lasso. Je croyais que les armes d'instinct étaient hors la loi. Ouais, c'est le cas. Oh, bordel. Je peux ressentir cette chose. Elle me comprend. Super, boss. Je suis ravi pour toi. Maintenant, rends-toi utile et ouvre le capot de cette capsule. Putain! Flamme-moi, fais-le!